Attends, tu fais quoi là? Tu me quittes? Bah ouais, je te quitte. J'en peux plus de ton attitude. Ah ouais? Attends, tu vas voir. Tu kiffais pas là? Qu'est-ce que tu as l'air de bien kiffer en tout cas. Cache ça. Hein, je te fais chier, bah je vais te faire chier. Hein? Tu fais quoi? Partager. Non, fais pas ça. Public. Non. S'il te plaît. C'est trop tard. On a toute une série d'éléments qui nous démontrent aujourd'hui que la violence sexuelle trouve sa place aussi dans les relations chez les plus jeunes. Et donc une volonté de la part des trois ministres de faire un focus sur les 15-25 ans à travers l'utilisation abusive des réseaux sociaux dans les cas de violence sexuelle plus marquée en cas de séparation, notamment chez les jeunes qui ne perçoivent pas toujours qu'ils sont responsables de comportements qui sont délictueux, qui ont des conséquences graves sur les victimes. J'invite vraiment les victimes ou les témoins à prendre leur GSM pour composer le 0800 330. C'est une ligne d'écoute 24 heures sur 24 où on peut trouver quelqu'un qui a la compétence pour vous entendre, pour vous écouter. De la même manière, on se rend compte qu'il y a moins de 10% des personnes qui osent aller dénoncer des faits à la police. Ce sont des faits graves, ce sont des faits qui ont des conséquences. Il faut oser en parler.